Hé, comment vous êtes entrés? On a suivi les mouches à merde, tête de nœud. Suivant. Bien joué. On va vous crever. Joe, fais gaffe! Merci, petit. Merde. Des flingues! Tant pis pour eux! Fais gaffe, la flingue! Prends-moi, Vito! Allez, tiens le coup! Laissez-moi partir! J'ai que des bras, c'est un promis! Norex, ça te compte! Non, en scène, Vito! Retenez pas vos coups! Te couvre, bouge! C'est fini pour toi! Joli! Tire comme ma sœur! Essaye de rester en vie, connard! Couvre-moi! C'est comme si t'étais mort! Oh, Vito, bouge-toi! Il est coincé! T'es mort! Je préfère être dans ton camp! Butez-les! Il est coincé! On le prend de flanc! Pas mal, hein? Couvre-moi! La prochaine balle est pour toi! Je ne peux pas nous échapper. Non ! Hé ! Vous m'êtes bien de ce côté ? Te couvre, Vito ! Vas-y ! Coucou ! Couvre-moi en tout ! Allez, Vito, on y va ! Sors de ton trou, sale ralimètre ! Allez, 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 je te couvre ! Merde! Pourquoi? Bute-le, vas-y! Allez, Vito. Je t'encule. On prend un revers. Oh. C'est fini pour toi. Tiens bon, Vito. M'étonne moi-même.
Ça va? Vous serez pas une vache dans un couloir. C'est bon, Vito. Allez, allez, allez! T'as appris ça à l'armée? Qu'est-ce que t'as? T'as la trouille du con? Tiens bon, Vito. C'est bon, Vito. Allez, allez, allez. Je t'ai eu. Faut buter cet enfoiré. Tu tires comme ma sœur. Hé, qu'est-ce qu'on va? Réponds. Ouvre-moi, Vito. C'est fini pour toi! Essaye de rester en vie, connard. Putain. Ouvre-moi. Ça va? Touché où? Te coupe, Vito. Vas-y. Couvre-moi. C'est tout ce que tu sais faire? Je préfère être dans son camp. Raté, connard. Vas-y, bon, je te couvre. Coucou. Joli. Te coupe, Vito. Vas-y. Ouvre-moi.
Tu m'en laisses et... Je traite pas une vache dans un couloir. Oh, Vito, bouge-toi! C'est comme si t'étais mort! T'es touché où? T'es eu! Allez, Vito, on y va! Super, Vito! Allez, trouve une idée, magne! Montre-toi, je sais que t'es là. Joli. Couvre-moi. T'es mort. C'est fini pour toi. Merde, ça aurait pas dû se passer comme ça. Eddie va pas être content. Eddie dira rien. Qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Se laisser tuer? Au moins, ces enfoirés de merde feront plus chier personne. C'est quoi, Steve? Moi? Je rentre prendre une douche, bouffer un steak et boire un verre ou deux. Amuse-toi bien, Joe et moi, il nous reste encore du boulot. On se voit plus tard. Et merde, où est-ce qu'on va trouver deux plaques pour Eddie? Une idée de combien ça vaut, une voiture comme ça? Putain, Vito, t'es un génie! Derek nous donnera au moins 1000 pour celle-là. Bon, je vais apporter ce petit bijou à Derek. On se retrouve après au Faucon. On fait comme ça. On se voit au bar.
Alors ? Voilà le fric. Bon, je préfère ça. Sale drogué de merde. On les reverra plus. Bien joué, v'là votre fric. Merci, Eddie. Tu penses que tu vas avoir encore besoin de nous aujourd'hui ou pas ? Parce que j'ai un truc sur le feu. Non, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous appelle en cas de besoin. Prenez soin de vous, monsieur. Allô ? Ouais, Vito, on a un problème là. Prends un flingue et rejoins-moi au bar. Et surtout, viens avec une caisse en parfait état de marche. D'accord. Je pars tout de suite. Tant pis pour ma grâce, Matt. Ouvrez ! Nous obligez pas à enfoncer la porte ! Allez, ouvrez ! C'est la police ! Dernier avertissement ! Ouvrez cette foutue porte ! Ouvrez, police !
sait que vous êtes là. C'est la police! Ouvrez! On veut juste vous poser quelques questions. Ouvrez! Nous obligez pas à enfoncer la porte! Bonjour, qu'est-ce qui se passe? Enquête officielle de la police. Allez, ouvrez! Veuillez rester à l'écart. C'est la police! Dernier avertissement! Ouvrez cette foutue porte! Ouvrez, police! Bon, on sait que vous êtes là. C'est la police! Ouvrez! Ça a le droit de conduire, ça! Salut, Eddie. Ah, Vito. Justement, je vais te présenter quelqu'un. Vito, voici Carlo Falcone. C'est un grand plaisir, monsieur Falcone. Vito? Dis-moi, Vito, qu'est-ce que tu penses de Luca Gurino et d'Alberto Clemente? Bah, franchement, monsieur Falcone, de mon point de vue, ces connards ont voulu me voler 5 plaques et je me suis retrouvé en taule par leur faute. C'est bien. Parce qu'on dirait bien que ces deux trous du cul complotent contre nous. Alors, on dirait qu'il vaut mieux qu'on bouge avant qu'eux bougent en premier. Eddie va tout expliquer. Je sais que tu me décevras pas. Au revoir, monsieur Falcone. À très bientôt, Vito. Alors, c'est quoi le topo? Une voiture avec 3 de nos gars a disparu hier soir, et il y a une rumeur comme quoi Lucas serait mêlé à tout ça. C'est qui les 3? Harvey Beans et les 2 gars qui étaient chargés de sa protection. Tony Ball, c'est Frankie l'Irlandais. Mmh. Ouais. Beans, c'est le comptable de Carlo. S'il l'ouvre, on est baisé. Qu'est-ce que t'attends de moi? Tu vas l'attendre en face de chez Freddy, et puis tu vas le suivre pour savoir s'il est impliqué ou pas. Et puis? Si tu découvres qu'il y a vraiment participé, tu le descends, ce connard. Et s'il y a des gars à nous encore en vie, tâche de les libérer. Il faut que tu les trouves avant qu'ils aient craché tout ce qu'ils savent sur nos opérations. Tu crois qu'il ira où? Ça, j'en ai aucune idée. Mais va te préparer, il te faut une caisse rapide et une grosse puissance de feu. D'accord, je m'en charge. Ok, reviens ici quand c'est fait. Et Vito, tu parles de ça à personne. Pigé. Thank you.
caisse de Luca. Luca, où tu te caches, mon salaud? Te voilà. Ok, c'est parti. Il risque de me voir. Il faudrait surtout pas qu'il me repère. Ok, il faut que j'entre sans me faire repérer. J'aime bien des tours. Mieux vaut rester discret. On ne sait pas ce que nos gars sont devenus. Les égouts. C'est peut-être la solution. Merde, j'ai pas pris mon maillot. Pouvoir les écarter. Oh merde, ça schlingue. Ta gueule.
Oh, si Luca est juste passé pour prendre ses steaks, je fais un malheur. Tu vas la fermer, sale clef. Quoi ? T'as vu quelqu'un ? Tu vois pas qu'il y a personne ? Alors ferme-la ou on te fout en conserve. Qui est ce chien ? C'est eux. Lâche ton chien, sale enfoiré. Ok, je peux y aller.